Moi, je m'appelle Serge Machado. Vous êtes ici dans mon petit bureau où je travaille, qui est chez moi, dans le 18e, à Montmartre. Comme vous voyez, j'ai des coupes de papier, j'ai fait des collages, des illustrations, de design textile, de patterns, de prints pour textile. Ben, les petits bureaux, c'est un truc en fait qui est arrivé par hasard. J'ai travaillé chez Lee & Delcorte avec Charlotte Björklund, là on s'est connus. Je suis comme mon petit bureau, j'ai pas de style. Je mets des choses que j'aime, qui me sont chères au cœur, que je ramène de Mexique, de l'Inde, du Brésil, du Danemark, des choses que j'ai fait, du Rio de Janeiro. Donc j'ai pas vraiment de style, c'est un truc, c'est un mélange, c'est éclectique. Mais moi je reste très basique comme style vestimentaire. C'est pour ça que Lee & Delcorte me va comme un gars. Ma pièce préférée, c'est la bibliothèque. Parce qu'il y a plein de choses qui m'inspirent. Il y a la collection des livres que je collecte avec Kim. Lui, il travaille dans la mode. Et il y a aussi ma collection de DVD que je n'arrive pas à me débarrasser. Et c'est confortable, c'est cosy là-bas. Lee & Delcorte, c'est un produit qui est éternel, un truc, il n'a pas d'âge, que tu peux l'avoir pour toujours, qui n'a pas de mode. Donc c'est un truc qui est confortable, que tu mets dans toutes les situations, à la maison, pour le travail, pour sortir. Et c'est facile à porter, c'est facile à laver, c'est délicieux à porter, voilà. Moi j'aime toutes les couleurs de Lee & Delcorte. J'aime bien les bleus marines, j'aime bien les crus, j'aime bien les camels, les gris, des couleurs plus basiques qui vont avec tout, etc. Un objet représentatif de la Suède pour moi, les tapis suédois que j'ai acheté au Danemark d'ailleurs, mais c'est fait par des dames suédoises avec des bouts de tissu. Je pense que c'était fait dans les années 50 et c'est hyper beau, la gamme des couleurs et les modernismes du graphisme, j'adore.